Juste par rapport à l'intervention de Zlatan, c'est ça que l'intervention précédente, c'est ça? Exact, et on vous écoute. Oui, ben, je suis tout à fait d'accord. Et je suis content, comme il puisse encore s'exprimer à l'antenne, pour apporter un avis qui ouvre à une perspective. Écoutez, monsieur Ibrahim, écoutez, écoutez bien. Vous devez changer de place puisque avec votre téléphone portable, on vous entend pas bien. Ne bougez pas et restez dans un endroit qu'on peut bien vous capter, s'il vous plaît. Et là, vous m'entendez mieux? Allez-y, oui, ne bougez pas, allez-y. D'accord. Eh ben, comme je disais, c'était pour remercier Zlatan de son intervention, qui apporte des perspectives qu'on nous refuse du fait d'une information unifiée et uniforme. Ce qui se passe en Ukraine, on en sait ce qu'on veut bien que l'on en sache. Et malheureusement, ce qu'on nous dit, c'est assez éloigné de la réalité. On n'a qu'à regarder certaines sources, certaines bases. Il y a pas mal de liens sur Internet, de gens qui ont été sur le terrain, qui racontent leur expérience de l'Ukraine. Et c'est juste hallucinant ce qu'on entend ici sur TF1, sur France 2, sur BFM et sur le reste des chaînes, quoi. Et je me demande même, à la fin, à qui profite cette guerre? Elle profite très certainement pas aux Ukrainiens. Maintenant, est-ce que les Russes, sont dans leur droit, dans leur tort? C'est une histoire géopolitique, c'est des histoires qui nous dépassent, nous, parce que c'est des choses qui sont orchestrées à des niveaux qui nous dépassent, nous. Ce sont des gens qui gèrent des gens, qui décident de comment des choses doivent se passer dans telle zone et comment elles doivent se passer dans telle autre zone. Mais la réalité, c'est la souffrance du peuple ukrainien, la souffrance du peuple russe aussi, qui est sous embargo, qui peut plus participer à des événements sportifs, qui peut plus participer à des événements artistiques, qui parle de la société. En Ukraine et résume pas à la guerre dans le monde. La guerre, actuellement, elle a lieu au Yémen. Elle a lieu dans d'autres parties du monde. Sauf que, bon, bah, c'est peut-être pas intéressant, ou c'est peut-être pas. Il n'y a pas de lien culturel ou de lien religieux qui pourrait permettre je sais pas, une compassion, quelque chose. Voilà. C'est triste. C'est triste. Ce qui se passe là, c'est le monde entier qui en est victime. Regardez aujourd'hui, avec toutes ces sanctions et tous ces embargos, aux États-Unis, ils n'ont plus de lait pour les enfants. Et le lait, il est fait par l'Ukraine. Voilà. Nous, on va avoir de pâtes bientôt. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a à voir, nous, dans cette guerre? Voilà. Donc, je remercie ce là. Et je vous remercie, vous, de m'avoir donné la parole. Et je vous souhaite une bonne soirée et une bonne continuation. Merci, bonsoir à vous, au revoir. Merci. Alors, tout à l'heure, je voulais dire à notre ami qu'il a dit Ukraine. On disait, c'est le pays d'Adam et Ève. Mais comme j'ai dit plusieurs fois, vous le savez, enfin, mon émission, vous le savez, Didier Deplège, mon ami, président de la radio, il a nommé Humour du temps, humour. Un peu d'humour, toujours, c'est bien. J'ai beaucoup aimé quand Didier il a nommé ça, mon émission. Vous savez, un peu d'humour. Alors, vous savez que plusieurs fois, je vous ai dit, Ukraine, vraiment, c'est le paradis. Étudiez sur Ukraine pour voir c'est quoi ce pays-là. On dit le pays avec la terre dorée, terre rouge. Et plupart des choses qu'on consommait ici et ailleurs, ça venait d'Ukraine. Ukraine, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on attaque l'Ukraine, quand on veut détruire l'Ukraine, quand on veut le vider et des habitants et pour posséder à cette ville, vraiment c'est le paradis. Et alors si Adam et Ève ont dit que c'est leur pays, c'est le paradis,
C'était là-bas, sur terre. Jamais le paradis n'existe pas dans le ciel, ni l'enfer. Tout est ici et maintenant. Tout est ici et maintenant. Alors, il était au paradis, à Auckland, il y a déjà 6000 ans, et on les a exilés vers désert de Jordanie, d'Israël, de Palestine, de Sinaï, de tout ce que vous voulez dire, Sinaï. Mais vous savez, David, et moi, je fonde petite histoire. Il y a déjà des années, même une partie, ça a été pris par un metteur en scène américain. Il a fait le film, c'est très ancien. Histoire des histoires. Histoire des histoires, c'est très court, c'est 20 pages. Que je l'avais mis dans mon bouquin, et dans mon livre, on peut dire. C'est un scénario plutôt. J'ai rêvé de Dieu. Il pleurait comme un bébé. Là-dedans, je parle de l'histoire d'Adam et Ève, mais moi, David, je disais à l'époque, le paradis, c'était l'empire de Mésopotamie chez moi en Iran. C'était Mésopotamie qui était l'empire. Et le paradis, bien sûr, autour du golfe Persique. Une partie d'Irak et une partie de Khuzestan iranien actuel, où vous trouvez, vous savez, je vous ai déjà dit, le tombeau de Daniel et même 38 prophètes juifs, ils se trouvent en Iran, que ce soit Daniel, Mordechai, Esther et tout ça. Enfin, à l'époque, je disais, dans ce scénario, je disais, voilà, il était en paradis, Adam, et il était révolutionnaire. Et il fait des révolutions contre le pouvoir de Mésopotamie qui était géré par l'idéologie pensée de Mithra, première lumière, première philosophie, qu'après César Zarathoustra il a pris, après c'est Moïse et tout ça, Jésus. Alors je disais, puisque c'était un révolutionnaire, on va l'exiler du paradis. De Mésopotamie, de Bagdad, d'Irak d'aujourd'hui, de Khuzestan, vers désert de Sinaï. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il était intelligent et il était très fort, il va construire un empire qui est en train de régner dans le monde jusqu'à maintenant. Ici et maintenant, mes chers amis, vous écoutez votre radio sur 95 Do FM. Quand je veux.